Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. C'est l'été au parc en ce moment, jusqu'au 26 août au parc Paul Mistral. C'est plus de 500 activités gratuites, sportives, culturelles, scientifiques, ludiques, de détente ou de création. Il y a aussi des installations permanentes, jeux d'eau, chaises longues, terrains de sport collectifs et le matériel est prêté bien sûr. Et c'est pour tous les âges, alors n'hésitez plus. This is the CIA's mission. You use a scalpel. Jeudi au cinéma Pâté Chavant, ne manquez pas l'avant-première mondiale, je dis bien mondiale, de Mission Impossible Fallout. Retrouvez un nouvel épisode de la saga culte des aventures de l'agent Hunt incarné par Tom Cruise, 3 semaines avant sa sortie dans les salles françaises. I don't trust anybody outside of this room. You go rogue, he's been authorized to hunt you down and kill you. That's the job. No hard feelings. Et puis tous les jeudis du 12 juillet au 16 août, c'est l'occasion de se glisser dans la peau d'hommes et de femmes qui travaillent en forêt et notamment dans le parc naturel régional de Chartreuse. Des visites de chantiers forestiers sont organisées tout l'été gratuitement par l'Office de tourisme. Au menu, abattage et branchage, débardage et découverte des secrets de la récolte des bois. Explication. On a constaté sur des sites en Chartreuse où il y a beaucoup de fréquentation qu'il pouvait y avoir des problèmes de cohabitation, on va dire, entre des gens qui viennent faire de la randonnée, s'amuser, faire du loisir, et les professionnels de la forêt. Et donc l'idée, c'était plutôt que d'être dans le conflit, d'amener du dialogue et d'expliquer un peu le travail des professionnels, donc des bûcherons. Il faut faire comprendre aux gens que de couper un arbre, c'est pas massacrer une forêt en fait, c'est au contraire, c'est l'entretenir. Donc oui, forcément, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc forcément, il y a des moments où on est obligé de casser ou on est obligé de laisser les branches. Parce que même si c'est un peu sale aujourd'hui, dans 3-4 ans, ça va faire de l'humus, ça va se tasser et ça va être bénéfique pour la forêt. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.